Imagine having to run away from your country of birth to a place you've never been before with a language that you cannot speak. That was the reality for Hassan Abdullahi, a boxer from Cameroon, who sought asylum in South Korea after the harsh conditions he faced at home. This is a story. Je m'appelle Hassan Abdullahi, je viens du Cameroun et je suis boxeur professionnel. Je suis réfugié en Corée. Je suis champion de Corée dans les super welter. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Corée, là? Tu es en Corée? Déjà en septembre de cette année, je pense que ça va faire 4 ans. D'accord. Déjà 3 ans. Ça te plaît jusqu'à maintenant? Ah, oui, ça va. Ouais. Là, vous avez obtenu un titre, donc titre de champion en Corée, c'est ça? Oui. Et quel est exactement le nom donc, de votre titre? Champion de Corée. Quand j'ai retenu ce titre, j'ai ressenti déjà une grande fierté parce que pour moi, c'est un début pour un départ pour atteindre mon rêve, mon objectif, d'être un champion du monde. Donc en Corée, quand vous faites des combats, et vous en avez gagné pas mal, vous combattez sous le nom de... Vous avez un nom coréen, c'est ça? Exactement, j'ai un nom coréen. D'accord. Et quel est votre nom coréen? Lee Hook-san. Lee Hook-san, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ce nom? Qui vous l'a donné? Le nom c'était mon coach que j'étais à Chuncheon. C'est lui qui m'a donné ce nom qui signifie la montagne noire. Oui. Je pense que le Lee c'est son nom de famille. Je peux te demander un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu parti du Cameroun pour venir en Corée? Déjà, je suis parti au Cameroun pour la Corée parce que. Déjà vu les problèmes que j'avais au Cameroun, dans l'armée, parce que j'étais militaire. Tu as accepté parce qu'il y a un côté qui t'a attiré alors d'être dans l'armée? Exactement. Ouais. Parce que quand tu vas déjà, quand on te propose, il y a beaucoup de bonnes choses. Tu te dis, bon, peut-être ici, je peux bien faire ma vie. Une fois que tu as tu intègres, tout change. Ça devient autre chose, ça devient compliqué. Ah ouais? Ça devient vraiment très compliqué. Et puis, tu ne peux plus faire marche arrière. Ça veut dire que tu ne peux plus sortir de là. Si tu rentres dans l'armée camerounaise, ce qui veut dire que ton corps n'appartient plus ni à ta famille. Même si tu étais mort, ton corps n'appartient pas à ta famille. Donc, c'est déjà la loi. Ça veut dire que tu entres là et puis c'est dans l'armée. Automatiquement, ce sont des autres personnalités très puissantes. Ils sont libres de faire de vous ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas libre, parfois vous ne pouvez même pas toucher de l'argent. Bon, vous faites n'importe quoi. On peut vous punir, on peut même vous tuer. Donc, si parfois tu essaies de trop désobéir. Et ensuite, tu as eu donc cette opportunité de faire ce combat en Corée, c'est ça? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? C'est les Jeux mondiaux. Donc, il y a toutes les disciplines, quoi. Bon. Déjà, la boxe, nous avons participé et dans cette compétition, déjà, on occulte toujours les meilleurs, on prend toujours les meilleurs. Bon, c'est comme ça que j'ai fait partie de l'équipe qu'on a menée en Corée et c'est de là que j'ai profité de cette occasion ici pour partir. Mais j'ai juste pris le risque, je lui ai dit, bon, si ça arrive que je vais mourir là, pour moi, ça serait mieux. Je prends le risque parce que c'est un combat pour moi. Ah. Déjà, avant de venir en Corée, je ne peux pas vous mentir sincèrement, je ne pouvais même pas gagner un combat vu mon état avec lequel je suis venu parce que j'ai été torturé là-bas. C'était difficile, le stage qu'on a fait, c'était vraiment difficile. J'avais tellement perdu du poids. Donc, pour que je reprenne ma force normale, je pense qu'il me fallait beaucoup de temps. Torture physique? Ouais, torture physique, c'était un peu trop. Bon, j'avais trop maigri, si tu vois mes photos, tu ressens quelqu'un qui, par rapport à maintenant, ça n'allait pas. Premier combat, c'était contre un Indien, un gars pas vraiment fort, mais j'ai perdu le combat. Et j'ai dit, ok, ça va, c'est pas grave.
Mon ami aussi, il a fait un combat, il a gagné, deuxième combat, et puis il a perdu. Et puis, on a dit, il faut qu'on s'en aille. De nos collègues, allaient avoir un combat ce soir. Bon, le bus qui prend la délégation pour aller au centre du combat. Puis c'est de là, quand les gens étaient en compétition, que nous on a profité, puis nous on a pris la route. Malgré qu'on ne connaissait pas la Corée, c'était difficile. On se retrouve là, on ne sait même pas là où on est. Ouais. Et puis, je me suis renseigné chez un jeune. Il y avait un jeune coréen avec sa copine. Mm. On s'est renseigné là et puis il nous a aidé à prendre un taxi, nous déposer à l'emplacement du bus. Et puis de là, on savait seulement Séoul. On ne savait pas autre endroit. Et on a pris le bus pour Séoul. C'est comme ça qu'on s'est éloigné. Et quand vous êtes arrivé à Séoul, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, arrivé à Séoul, on s'est retrouvé là où le bus nous est déposé. Ouais. On se retrouve là dans une grande ville, on ne connaît personne, on ne sait même pas là où on va aller. Bon, on a un peu d'argent, mais ce n'était pas vraiment beaucoup d'argent. Mais on ne savait pas d'où aller, c'était vraiment compliqué. Mais on est allé dans un restaurant, on a mangé, on a eu la chance. En sortant, il y a un bus qui a garé. Bon, moi j'ai vu ça, j'étais très surpris jusqu'à aujourd'hui de ça, parce qu'il y a une femme qui est sortie du bus. Ouais. J'avais eu l'impression qu'elle cherchait quelqu'un, la façon qu'elle regardait. Ouais. Dès que ses yeux sont tombés sur nous, elle est venue en courant. Moi, dès que je l'ai vue, j'ai eu peur, j'ai voulu déjà m'enfuir parce que je n'ai pas compris. La façon qu'elle est sortie du bus, elle regarde comme si elle cherchait quelqu'un, nous a vus. Elle est venue en courant vers nous. Ouais. Elle nous a salués. Ouais. Elle était très gentille. Et puis, dès qu'elle a appris qu'on était Camerounais, elle était très contente. Elle dit qu'elle était au Cameroun une fois, elle nous a montré des photos. Elle était très gentille, elle a dit... Prenez un café avec moi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je lui ai demandé si elle pouvait nous trouver un motel quelque part moins cher où on pouvait passer la nuit. Ouais. La femme a dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Elle a pris son téléphone, elle a appelé un taxi. Mmh. Elle nous a pris dans le taxi, nous déposé dans un motel. Et arrivé de là, elle a payé deux nuits de son argent. J'étais vraiment surpris. Mmh. Je ne savais pas comment lui remercier parce qu'on ne la connaissait même pas. Ben oui, après, elle est repartie et on ne l'a plus jamais revue. C'est dommage ça. Ça aurait vraiment me fait plaisir de lui revoir parce que le geste qu'elle avait fait pour nous, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Le même soir, on s'est enfui, personne ne veut me contacter. Le lendemain matin, un ami avec qui on était, qui a pu me contacter à Facebook. Et c'est là où vous êtes là, c'est très très dangereux. Le commandant a envoyé le message jusqu'au Cameroun. Oh, voilà. Et ils disent, on sait que vous êtes à Séoul. Dès qu'il a dit ça, j'ai pris une très grande panique. Mon ami prenait une douche à la toilette. Quand je l'ai dit, il est sorti avec du savon sur lui. Il me dit, fuyons. Je dis, mais on va fuir, on va aller où? Actuellement, prends ton temps, tu te douches. Ça ne va servir à rien de trop courir. Ils savent qu'on est à Séoul, mais ils ne vont pas savoir que nous sommes là, dans ce motel. On va rester là. Et j'ai essayé de me renseigner et j'ai utilisé mon téléphone à un moment donné pour essayer de trouver des endroits comme le HR pour avoir des renseignements. Je suis arrivé là-bas. À HR hein? Oui, à HR. D'accord. Je me suis renseigné, j'ai trouvé une fille qui parlait du français. Elle m'a dit « va à l'immigration et tu expliques ton problème ». Quand elle a dit « va à l'immigration », j'ai dit non, je peux pas aller à l'immigration, on va m'arrêter. Puis elle m'a dit, il faut pas avoir peur, on ne peut pas t'arrêter et puis te remettre entre leurs mains directement. Mmh. Elle m'a dit ça. Jusque-là, je n'ai pas eu confiance, je suis rentré. Mmh. Et nous sommes restés cachés pendant près de 3 semaines dans la chambre, on ne sortait pas. C'est vrai. Après, on est arrivé à l'immigration et puis là, on a pu raconter ce qui n'allait pas. Ouais. Et comment ça s'est passé? Donc ça, c'était après que l'équipe soit partie. Oui, après, mais avec beaucoup de peur encore. J'étais pas vraiment tranquille parce que je ne savais pas comment ça allait finir en Corée. Ouais. Est-ce qu'on allait me m'accorder l'asile? Est-ce qu'on allait me rapatrier? Je réfléchissais par tous les moyens, ce n'était pas facile. Mmh. Pour partir, je n'ai pas dit à ma famille que j'allais... Ma famille savait que je venais là pour la compétition. Ouais. Bon, ils étaient surpris juste que je suis resté là. Mmh. Je ne suis pas rentré. Je ne les avais pas dit d'avance que j'allais et puis je ne revenais plus. Ouais. Ça doit leur choquer. Et tu dois vraiment leur manquer aussi. Et ça te manque quand même le Cameroun, je suppose. C'est ton pays, c'est ta ville natale, ton pays natal. Oui, normalement, ça me manque parce que c'est mon pays. Oui. Et la famille, les amis,
ça me manque. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et est-ce que tu as peur parfois que quelque chose puisse arriver à ta famille parce que tu es parti comme ça, suite à ta fuite? Bon, je pense que de l'autre côté de ma famille, je pense qu'ils n'ont rien à y voir. Dans ce genre de problème, ils n'ont rien à y voir. Je pense que rien ne peut les arriver à propos. Rien ne s'est passé jusqu'à maintenant, a priori. Bien. Heureusement d'ailleurs. Bien. Heureusement, d'accord.아산 형이 확실히 약간 한국 스타일이 아니라서 복싱 스타일이 좀 새로운 스타일이라서 뭐 저한테도 도움이 많이 되고요. 일단 펀치가 너무 세서 네, 펀치가 엄청 세요. 아 정말요? 체급에 비해서. 아 네, 저보다 한 체급 낮은데 뭔가 저보다 위체급 펀치를 가지고 있는 그런 형이. 아산 선수 같은 경우에는 이제 일단 신체 조건이 세계 무대에 통할 수 있는 굉장히 복싱에서 좋은 신체 조건을 가지고 있고요. 저희 팀에 오기 전까지는 체급이 비슷하기 때문에 언젠가 링 위에서 만날 수도 있겠구나 생각을 했었는데 링 위에서 만난 게 아니고 저희 팀에서 같이 만나게 돼서 좋은 훈련 파트너, 스파링 파트너도 되고요. 그래서 굉장히 둘 다 윈윈 할 수 있는 그런 사이가 지금 되고 있어서 되게 사이도 좋고 제가 동양 챔피언 했듯이 똑같이 앞으로 지금 온 지 얼마 안 됐지만 앞으로 충분히 저보다 더 위로 올라갈 수 있는 선수라고 생각합니다. Est-ce qu'il y a des moments donnés où peut-être tu as ressenti un petit peu de peut-être de racisme ou... Oui, je peux dire bon pas trop mais tu sais le racisme il y en a partout. Déjà, une fois, j'ai emprunté le train avec un de mes amis. Il n'y avait pas assez de place. Bon, on a eu deux places et il y avait un espace de deux places encore à côté de nous. Bon, il y a deux femmes qui sont rentrées dans le métro. Elles ont voulu s'asseoir, l'autre a constaté qu'on était noirs. Elles se sont stoppées et puis elles ont parlé en coréen. Et elle a dit... elle ne peut pas s'asseoir. Ah, il y a des gens qui sentent très mauvais là. Donc, elle ne peut pas s'asseoir à côté de ces personnes. Vaut mieux changer de wagon. Ah, enfin, c'est vrai que c'est... C'était choquant, mais bon. Ouais. Pour moi, ça passe. Et puis, je sais que c'est normalement dans le monde, c'est comme ça. Ouais. Tout le monde n'est pas bien. Il y a des gens qui sont racistes. Il y a des gens qui peuvent juste ne pas t'aimer par rapport à ta couleur de peau ou bien tu viens d'ailleurs et tout ça. Bon, pour moi, ça va. J'ai entendu dire que... Tu as une fille aussi, c'est ça? J'ai pas une fille, j'ai avec une fille. Tu avais une fille, d'accord. Oui, elle est décédée. D'accord. Si ça te dérange pas, je peux te demander qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était la maladie, mais en réalité, je n'aime pas trop vraiment parler de ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Apparemment, tu as voulu lever des fonds pour peut-être une fondation ou pour un projet que tu avais pour... pour des personnes atteintes des maladies incurables ou Bon, réellement, c'est pas que j'ai voulu lever les fonds parce que, bon, j'ai pas des moyens pour ça, mais j'ai voulu juste faire d'une manière, donner une participation à ça parce que ce qui est très important dans le monde, il y a des gens qui ont des maladies, qui vivent dans des situations vraiment très, très difficiles. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais toujours de temps en temps avoir la possibilité d'avoir de contact avec ce genre d'association qui essaye de faire quelque chose pour aider ce genre de personnes qui vivent dans ce genre de situation très difficile. Donc, je pense que ça pourra vraiment faire quelque chose pour leur vie, pour les aider. Est-ce que tu as d'autres projets en tête que tu aimerais accomplir? Mon plus grand rêve de la boxe, avant d'arrêter la boxe, c'est d'atteindre un titre mondial. Et, après, si j'arrête la boxe dans le futur, j'aimerais toujours être là dans le monde de la boxe parce que j'aime bien. Parce que c'est d'abord une passion, c'est d'abord l'amour que j'ai pour le sport, de combat, la boxe.
Donc, ce qui fait qu'au futur, j'aimerais toujours être là pour encadrer certains jeunes qui ont du talent, qui puissent peut-être atteindre un niveau, peut-être au-dessus de ce que moi, je n'ai pas pu atteindre.